Bonjour tout le monde. Ma voix me fait n'importe quoi. Ah! J'essaie de la récupérer, mais elle fait un peu sa vie, ma voix. Alors, j'ai joué ce matin juste pour aller voir le prix des navets. Et du coup, on a eu ça. Donc, grande nouvelle. Nessil a reçu l'autorisation en bonne et due forme pour agrandir notre musée. Le musée sera fermé aujourd'hui pour rénovation, mais je suis sûre que l'attente en vaut la peine. Mes plus plates excuses aux distingués visiteurs de notre musée, j'ai hâte de vous accueillir demain. Thibault m'a prié de transmettre ce message, j'espère avoir restitué son enthousiasme caractéristique. Donc voilà, le musée va être fermé aujourd'hui. Mais ce sera pour mieux se réouvrir demain. Bah ouais, du coup, quand tu donnes le tableau, effectivement, tous les gens doivent avoir leur musée en réparation. Je la mets en favori, c'est la dernière lettre d'Axel. Parce que je vous annonce que les résultats des deux sondages sont unanimes. C'est Théo qui reste. Donc, c'est la dernière lettre d'Axel qu'on recevra. À tout jamais. Kéké! J'arrive pas à savoir si elles sont bien alignées ou pas. Ouais, non, ça doit être bon. Alors déjà, quel est le prix du navet aujourd'hui? Enfin, cet après-midi. Quand le stream rame en 160p, bah ça c'est du pur plaisir, effectivement. Alors, je vais mettre à jour mon turnip index. Voilà. Donc, pour vous montrer, vite fait, effectivement, mon pic était prévu pour jeudi. Ah, vous voyez pas ma souris sur l'écran. C'est bon. Donc, mon pic de navet était censé être jeudi. Ça avait commencé mercredi à 184, mais vous le voyez pas là, c'est sur le côté. Donc j'ai eu un pic à 184. Et le jour où j'aurais pu avoir le plus gros pic de l'histoire de Benavet, c'était le jour où Méli-Mélo était en rénovation. Du coup, bah, pas de navet. Salut Winnie! T'attends littéralement une seconde de son avant que ça se mette à ramer, putain. Déjà, on va se changer.
Sandalfon qui a une grosse partie de sa tête qui est cachée par le logo. Je m'en fous. Je le prends quand même. Il faut décorer avec des fleurs. Eh bien, décorons avec des fleurs. Je ne copie pas, je réinvente. Bon alors, changeons de look. Avant toute chose, allons se changer. Quel style on prend aujourd'hui? Alors, je pense que je vais revenir à un truc qu'on a déjà fait. J'aimerais bien porter le costume de vampire. Donc ça, on n'a pas encore fait. C'est parti. Oh là là, mes buissons sont en train de pousser, c'est incroyable. Ils sont à 75 clochettes. Mon pic c'était jeudi et j'ai même pas pu en profiter moi-même parce que le magasin de Méli-Mélo était sous rénovation donc. Tu vas me manquer, Axel. Tu veux un coquillage comme cadeau d'adieu? Voilà.
Ma photo d'adieu avec Axel. D'ailleurs, je vais visiter le magasin de fringues et après on invoquera Grognon. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Un par-dessus, il est pas mal. Une tenue de chef sushi. Je vais déjà prendre le par-dessus. Une jupe recyclée. Allez, pourquoi pas. Yes. Incroyable look. Et j'avais dit que je voulais aussi la tenue de chef, ouais. Je crois que le reste c'est bon. Ouais, le reste c'est bon. Je sais pas si je vais l'apporter, mais je trouvais ça rigolo de l'acheter, donc le musée en pleine rénovation. Ah, tous les petits buissons là, c'est beau là. Oh là là, tous mes petits buissons. Eh ben, vends-les tes orangers. Je veux bossa de Kéké. Il me le faut. Au pire, tu les manges. Tu prends tes orangers et tu les manges. Pousse d'arbre. Une boîte à carton, ouais. Super. J'en avais absolument besoin. Absolument pas. Bon là, il n'y a rien de nouveau, j'imagine. Non.
Condor Kéké, est-ce que je l'ai déjà? Non. Sinon, ce serait déjà. Ce serait dans les E parce que c'est elle Condor Kéké, donc. J'ai que étude de Kéké. Très bien, donc je peux acheter la chanson. Trop chaud. Je vais attendre de voir s'il demande de planter un arbre avant de planter ma petite souche. Alors, expertiser des fossiles, ça va être compliqué aujourd'hui. Par contre, vendre des coquillages et pêcher des poissons, on peut faire ça. Ah non! Le ballon! Si je ressors, le ballon sera plus là de toute manière, donc tant pis. RIP. Trop bien. Je vais en faire deux, un pour moi et un pour Grognon. Salut Huguenot. Pita pita pita.
Mon filet. Heureusement, j'en ai un de rechange. Alors, on a dit qu'il fallait pépites de fer et du bois. Je me demande si c'est personnalisable. En rouge, il est trop cool. Kiki à brou. Trop bien. Hey aussi. Bonjour. La menthe orchidée. C'est bon, j'en ai trois, je vais pouvoir faire une commande à Jason. Pain, baguette, croissant. Il va, please. I think I have Kicker Rider.
I think. Yes. Meet mommy, mama. I think I never heard the Smash version of this song. Un vieux schnock, mais... Yes, yes. Yeah, I can still look after the stream. Alors justement, RIP Axel, tu étais là à mes débuts. J'aimerais prononcer quelques mots en son honneur. Toi, Ecolala, vous étiez mes deux premiers habitants. J'ai eu un coup de haine pour Colala tout de suite. Parce que je la trouvais pas belle. Mais toi, Axel, c'était différent. Toi, je t'ai bien aimé. T'étais toujours souriant. Toujours en train de faire plein de trucs. Et tu étais le plus sympa des habitants du départ que j'ai pu connaître. Malheureusement, Twitter et Stropole ont parlé. Et ils préfèrent Théo à toi. J'ai déjà fait une photo ensemble. Une photo pour immortaliser ces moments passés tous les deux. J'espère que tu seras heureux là où tu iras. Prends soin de toi, Axel. I don't know. I guess back in the day, Cloud was kinda surprising for me. Un petit éloge à la gloire de d'Axel. Oh yeah, Pie on a Plant was a weird entry too. Au revoir Axel, toi qui portes ces magnifiques lunettes que je t'ai offertes.
Tu portes ces lunettes pour cacher la détresse qui se meurt en toi. Au revoir, Axel. Yeah, I'm glad that Sans is in the game, even if it's just a costume. It's still pretty cool. Des tickets de quoi? Des tickets Miles Nook? Arrête de frapper les portes! Yeah, the Megalovania song is really cool. Alors, déjà, je sais plus combien de Nookmai j'ai. Je peux en acheter 2, 4, 6. Donc, je peux en acheter que 3 par contre. Et après, j'aurai plus de points. Est-ce que ça ira 3 tickets? Ok, see you. Deux tickets et un Mars. Du coup, ouais, je te redemande, je sais pas si t'as entendu. Trois tickets, c'est bon ou pas? Ok, on fait comme ça. Du coup, je vais te filer un dodo code.
J'enfreins mes propres règles, c'est terrible, hein. Par contre, je te demanderais juste, on fait l'échange et tu repars comme je suis en stream, c'est pour éviter de perdre trop de temps. Voilà, je vais le remettre dans le chat pour le cas où. Soudain, oh yes, ça a marché. Ce timing était parfait. L'armée Léon. Je pense que si j'avais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi. Mais là, le timing était parfait.
Oh non mais c'est bon, hein, t'en fais pas. Tiens, ils sont là. Oups. Comme ça, demain, je vais pouvoir acheter des navets. En espérant que j'ai une bonne courbe ce coup-ci. Au moins, mes limellos pourront pas fermer parce qu'ils ont upgrade à fond. Mais... Je resterai attentif sur les... Sur les prix des navets. Oui, après voilà, on a notre serveur pour se dire les cours du navet. C'est plus simple. T'achètes des navets pour zéro clochette. Franchement, meilleur investissement. Moi non plus, j'aime pas trop ça. Mais heureusement, dans le jeu, c'est pas pour les manger que tu les achètes, c'est pour les revendre. Et faire des stonks. J'avais dit que je finirais par abattre cet arbre. Et du coup, je vais planter un nouvel arbre ici. Voilà. Oh là là, mais regardez-moi tous ces petits buissons. Ah oui, il faut que je vende 10 coquillages. J'en ai combien? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 10.
CKDO. Bon alors, est-ce qu'on a fini de bien nettoyer cette partie-là de la ville? Je crois que oui. J'ai plein de pommiers. J'ai trop de pommiers. On va rendre visite à Kiki. Elle aura peut-être un plan pour nous. Qui sait? Qui sait? Yes! Une table carrée naturelle. Zut. Ça intéresse quelqu'un ce plan? Genre, Iva, t'es la seule personne qui joue à Animal Crossing pour l'instant dans le chat. Est-ce que tu veux ce plan ou pas? Ou tu l'as déjà? Et non, c'est pas pour conquérir le monde. Tu l'as déjà? Bon bah je le revendrai. Ah oui, c'est possible. Je vais vérifier au bout parce que je sais pas des fois que je manque un fossile à cet endroit-là. Ok, non, c'est bon. T'as vu? Mais oui, la moto là. C'est terrible. En confinement, la moto. Allez hop. Je vais appeler la police. Attention, il y a des jeunes en scooter. Il y a des jeunes en moto. Ils font des tours. Pas très réglo. Ok, il y a un fossile là-haut. Ah oui, c'est ça ce que je voulais faire. Je voulais construire une nouvelle rampe. Mais tu viens déjà d'arroser celle-ci, bourrico. Mais tu viens d'arroser celle-ci, bourrico. C'est bon, il a changé de fleur. Mais ça fait 3 fois qu'il l'arrose.
Il va arroser la blanche encore, putain. Mais pour écho. Il est coincé sur trois fleurs. Ah, il est passé à la quatrième rose. Que va-t-il faire ensuite? Retourner à la première rose. Non mais bourricot. Il est cassé. Il est tout cassé, bourricot. Ça y est, il est cassé, il bouge plus. Ah là, c'est même plus du poisson rouge, là. Là, c'est un autre niveau de... encore dessus. C'est complètement un autre niveau là. Oh oui, fais péter les clo-clos. Bon, par contre, cet arbre-là, je vais l'abattre parce qu'il est en plein dans le chemin. Le ballon. J'ai du mal à savoir où il est le ballon. J'ai peur qu'il tombe dans l'eau. Je pense que je vais le choper en bas, ce sera plus simple. Et maintenant, on attend.